La parole est à Monsieur Sarkozy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le Premier ministre vient. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle lui ? Monsieur l'huissier, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes-vous mis debout face à lui ? Quel message aviez-vous l'intention de faire passer ? Mais il n'est pas interdit de s'exprimer de la façon, de la façon que l'on ressent le mieux. Aujourd'hui, rien ne passe. Qu'est-ce que ça disait votre chant Bernet ? Alors, le chant Bernet, c'est un très beau chant des Pyrénées, un chant d'amour, oui. Un chant d'amitié, un chant de paix qui dit que les hommes doivent retrouver les moyens de s'entendre, de se parler entre eux. Alors que, pour l'instant, je ne suis pratiquement pas rentré en campagne. Il y a déjà, comme disait Coluche, Sarkozy, flanc. Bon, on avance ici, c'est le salon de l'agriculture, mais ça ne veut pas dire qu'on faut faire n'importe comment. Parce que moi, j'ai vu comment ils font les autres, il ne faut pas faire pareil. Les autres, ils arrivent avec une nuée, personne ne peut parler. Mais s'il y a un petit attroupement qui se fait, vous y venez progressivement. Tu le remercieras d'être passé à côté. Toi, tu m'as vu, lui, il n'a pas eu le temps. Il est très fort, tu lui diras. Comment ça va ? Ça va, et toi ? On m'a demandé quelles étaient les chances d'Alain Juppé. J'ai répondu, nul. Allô, monsieur Lassalle, c'est Alain Juppé qui parle ici. Je voulais simplement te dire que tu ferais bien de réviser un peu tes leçons de politique, parce que mon parcours politique ne ressemble ni à celui de Raymond Barre, ni à celui de Balladur. Moi, c'est un peu différent, je te le rappelle. Ça fait un moment que je roule ma bosse et que je venais bien le métier. Tu vas voir, je vais t'étonner. Enfin, ton truc m'a fait de la peine. Je vais t'étonner. Salut. Sarkozy, chlan. Juppé, chlan. Hollande, chlan. Et vous vous rendez compte, j'ai encore rien fait, moi. Emmanuel Macron. Alors, cher Jean, je te vois faire et tu me vois faire. Parlons-nous à ta convenance, car il y a nombre de valeurs et d'actions que nous partageons. Nous ne partageons pas les mêmes approches. Chlan.